Dobar dan svima. Dobrodošli u emisiju Ožesenis TV pred utakmicu sa Parizom. Ove nedelje sam ja gost, Nemanja Pejčinović, defanzivac Ožesenis. Voilà, bah, comme Doumé, moi j'ai compris principalement OGC Nice, voilà, ce que tu as dit. Bonjour à tous les amis, on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission de votre rendez-vous hebdomadaire de l'avant-match. Avec nous un invité aujourd'hui de marque, ça faisait quelques semaines qu'on n'en avait pas eu, si ce n'est vous messieurs, toutes les semaines. On a Nema Pejčinović qui est avec nous. Salut Nema, on est ravis de t'avoir. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Nema, évidemment, un de tes surnoms, puisque ton prénom entier, c'est Nemanja, c'est ça ? Nemanja. Nemanja. Nemanja, je ne dis pas d'erreur. Donc, Nema, Pejči, et tu ne le sais peut-être pas, mais dans la communauté chinoise, on t'appelle mon petit Nem. Voilà. Ah, okay. Donc, pour ceux qui pensent que l'émission n'est pas préparée avant, voilà, maintenant vous êtes fixés, elle l'est. Messieurs, j'espère que vous allez bien, nos consultants de marque, ça va ? Ça va très bien. Ouais. Très bien. Le soleil est revenu, c'est super. Ça te va, toi, d'être à côté de deux métis ? T'es bien ? C'est pas le fait d'être à côté de deux métis. C'est le fait d'être à côté de deux anciens grands de l'OGC Nice. Ouais, voilà, c'est tout. Donc, ça me suffit. En tout cas, merci, messieurs, d'être là une nouvelle fois. Nema, on a à chaque fois quatre thématiques dans l'émission, tu vas voir. Mais juste avant, on aime bien commencer quand on a des invités, un invité comme toi, par un petit quiz pour te connaître. Alors, on va faire un spécial quiz sur la Serbie. Alors, pour toi, Nema, quel est le meilleur joueur serbe de foot de tous les temps ? De tous les temps, ouf. Vous avez en fait, il y a plusieurs joueurs de ex-Yougoslavie en fait, ouais. Avant, donc, mais maintenant comment on s'est tous séparés. De Serbie, pour moi, c'était Dragan Stojković Pixi. Ouais, Stojković, bien sûr. Voilà, bien sûr. Messieurs, c'est un joueur. Vous validez aussi le choix ? Ouais, Alors, autre question, quel est pour toi le plus grand club de foot serbe ? Alors, il y en a deux principaux. Oui, il y a deux, Étoile Rouge et Partizan. Pour toi, c'est lequel ? Moi, depuis quand j'étais petit, donc, j'étais supporter d'Étoile Rouge. Je jouais aussi là-bas à 6 mois, donc c'est... Mais c'est pas ton club formateur, hein, pour autant. Non, hein. C'est pas mon club formateur. C'était pas ton club formateur, mais c'est Étoile Rouge, pour moi, c'est le plus grand club. Étoile Rouge, d'accord. Ouais. Autre chose, la plus belle femme serbe, aujourd'hui. Maïté. Maïté n'est pas serbe. Non mais dis-nous, parce que c'est important, parce que tu sais qu'il y a un forum de l'OGC Nice et qu'il est possible qu'après que tu nous aies donné le nom, il y ait des recherches qui soient faites pour alimenter les sujets. On est en fait une nation belle, en fait. Hein. Oui, oui. Pas, moi, on a plusieurs belles femmes. Donc, j'ai plusieurs... non, ma copine est française, par contre. Ce qui fait que tu peux répondre facilement à la question, du coup, sans avoir de problème après. Je ne peux pas répondre, en fait. Tu peux pas répondre, non, pas, en fait. Parce qu'il a vraiment beaucoup de belles femmes. Donc, il y en a trop. Bon, ben, vous tapez mots-clés. Excusez-moi, mais il a beaucoup de belles femmes. Très bien. Dernière question. Quel est le... alors, là, on cuisine. Quel est le plat serbe que tu préfères ? Est-ce que tu peux nous dire oui, ce que c'est, sûr, du coup, tu nous le décris. On appelle ça sarma. Sarma. Voilà. Et ça, qu'est-ce que c'est En fait, c'est la choux. Mmh. Et dedans, on a en fait un steak haché qui a un peu différent goût qu'ici, par exemple, en France. Mmh. Il est roulé dans la choux et tout ça. Donc, c'est un goût spécial avec notre sauce là-bas. C'est... Le temps de cuisson ? À peu près. Combien de temps tu mets au four ? Je ne sais pas. Je ne suis pas chef de cuisine jamais. Donc... D'accord. On n'en dit pas plus alors. Non, hein, on nous laisse découvrir. Donc, tu nous as dit que ça s'appelle sarma. Sarma. Ok, voilà. Je te remercie. Voilà, c'est terminé pour le quiz. On démarre tout de suite avec l'émission de la semaine et les sujets. Donc, premier thème, la défense. Et normal, bien sûr qu'on va parler de défense avec toi comme invité. Tu as effectué ton retour là contre Sochaux. Bonne prestation, oui, tu ne savais pas. On peut évoquer vraiment ce qu'on appelle l'imperméabilité. Ça veut dire le fait que vous n'ayez pas du tout pris de but et que vous soyez vraiment costaud en défense. C'est dans la lignée de ce que tu avais vécu déjà dès le début de la saison et de l'association avec Renato aussi. Vous vous régalez derrière. Oui, bien sûr.
On a fait un bon match défensivement et offensivement. Bon, à la fin, offensivement, on a fait très bien. Mes défenses, bon, je pense, le premier match, c'était, on a commencé comme ça. Donc, Genoa qui a joué à droite et Colo à gauche avec Renato dans l'axe. Donc, c'était bien, on se sent vraiment bien dans l'équipe, dans le vestiaire et tout ça. Et ça se voit dans le terrain. C'est important d'avoir une bonne atmosphère, bonne relation entre nous. Et comme ça, on montre sur le terrain. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu prends du plaisir quand tu es sur le terrain? Parce que je ne sais pas si tu as vu l'interview de Renato. Il a dit que lui, il ne prenait pas de plaisir, il faisait son métier quand il était dans les matchs. Moi, j'ai plaisir aussi, mais aussi, je comprends, c'est un métier. Tu as du plaisir pour vous plaisir, deux, en fait. C'est voilà, toi qui as le plaisir pour les deux. C'est ça. Doumé, deuxième défense de Ligue 1 en 2013. 2013, oui. Pas mal, hein ? C'est pas mal, d'autant plus que en début de saison, on avait critiqué, justement. On avait dit, tiens, Nice prend pas mal de buts, en tout début de saison, prend pas mal de buts, et si Nice veut franchir un cap, il faut absolument s'améliorer dans ce secteur, et visiblement, c'est ce qui a été fait, quoi. Et moi, je suis pas surpris, parce que on en parlera plus tard, mais c'est vrai que la paire Pešinović-Sivelli, c'est une paire expérimentée. Ça fait, je crois, Neymar, ça fait 3 saisons que vous jouez ensemble. Voilà, donc, naturellement, les automatismes sont là. Ensuite, côté gauche, eh bien, on a découvert un très bon défenseur en la personne de Kolo Zedziak. C'est vrai qu'on ne le connaissait pas beaucoup, mais il fait le boulot. Et puis, je trouve aussi qu'à droite, avec Genevois, je trouve que c'est un joueur qui a franchi un palier. Et je trouve que ce sera dans les mois, dans les années à venir, ce sera un des tout meilleurs latéral droit du championnat de France. C'est mon avis. Lévi. Bon, on partage pas le même avis. Non. Mais non, je partage pas, parce que Genevois, on voit vraiment que ce mec, il a beaucoup de qualité, mais que c'est vraiment un défenseur. Donc c'est un défenseur central qui joue dans l'axe. Donc il a pas ce pouvoir de... Il a le pouvoir physique d'arriver, mais il n'a pas la qualité de centre qu'il y a en latéral. Bon, il est jeune, bien sûr qu'il peut bosser. Tu veux dire qu'il n'a pas son poste? Mais bien sûr, il n'a pas son poste. Voilà, exactement, il n'a pas son poste. Et après, pour te rejoindre par rapport à Renato et Neymar, je pense que voilà, c'est le fruit de l'équipe... Elle récupère là une fouille depuis 3 ans ensemble. Plusieurs années de travail, c'est, ouais. Voilà, c'est logique. Ouais. Est-ce que tu penses, alors bien sûr c'est facile de le dire parce que Neymar est là, mais en toute objectivité, je sais que tu es objectif, c'est l'une des meilleures charnières qu'on ait aujourd'hui en France ou pas? Oui, je pense, au niveau, surtout c'est très efficace, et en plus, et apporte en plus pour l'équipe, c'est que les deux, ils sont capables de marquer des buts décisifs. Donc, ce n'est pas tous les défenseurs qui ont cette qualité-là. Et j'ai le sentiment qu'ils sont complémentaires aussi. Poussin, peut-être un mot, tu as vu comme je te mets en avant un peu. Non, c'est vrai que Neymar et Renato, je pense qu'ils sont costauds, ça fait 300 jours ensemble, ils sont solides. C'est vrai qu'on avait plus de réserves sur les côtés, je pense, en début de saison, parce qu'on ne connaissait pas Colo. Et à droite, on cherchait un petit peu qui allait jouer à droite, mais je pense qu'on a trouvé une bonne assise défensive, et les chiffres parlent par eux-mêmes, et c'est une bonne chose. C'est rassurant en plus, c'est rassurant que vous soyez aussi solide derrière, parce que ce week-end, il y a du costaud quand même. Hein. Voilà. Il y a du costaud, il y a Paris, c'est on ça. En parle tout de suite. Alors l'adversaire de ce week-end... Tout le monde le connaît évidemment, le Paris Saint-Germain. Là aussi, leader incontesté, incontestable, vous me direz messieurs, du championnat et affirmé aussi sur la scène européenne, puisqu'ils ont fait quand même une prestation, notamment la semaine dernière face à Barcelone, qui était remarquable. On ne va pas s'étendre là-dessus, on ne va pas non plus trop leur cirer les pompes. Moi, j'aimerais connaître ton sentiment et avoir un peu ta sélection sur les joueurs parisiens. D'une certaine manière, qui peuvent présenter pour toi une difficulté, mais surtout sur ceux que tu trouves les plus exceptionnels dans cet effectif. Tous les joueurs à Paris qui jouent là-bas, ils sont vraiment dangereux. Et dans l'attaque, sur le terrain, ça c'est Zlatan. Donc, ouais. Après on a Pastore, on a Lavezzi, Menez aussi. Aussi donc c'est un grand attaquant là-bas. C'est un grand challenge de faire le match contre vous, et j'espère qu'ils ne sont pas à bonne forme. Ouais, on espère aussi. Celui qui t'a impressionné le plus ces dernières semaines chez les Parisiens comme joueur, c'est qui? C'est
sais pas, avec Thiago, Thiago Silva, bien cette saison. Ça, c'est un joueur pour toi vraiment qui est qui survole, qui est au-dessus du lot. Voilà, pour moi, c'est un grand défenseur. Ils sont, comme on a dit déjà, on a Zlatan, un attaquant très, très, très grand, mais après, si vous n'êtes pas bien défensivement, ça ne fait rien. Bien sûr, donc, bien sûr. Il faut faire toujours marquer un but plus pour gagner le match. Là, il faut être solide derrière pour avoir un bon résultat et être premier championnat. Donc, ouais, d'où l'importance. C'est lui qui a donné beaucoup d'importance et beaucoup de qualités. Ouais, vous allez avoir du travail derrière, dimanche. Hein. Et d'avoir aussi. Bon, il y en a quelques-uns là, des compatriotes à toi. Hein. Tu as dit Thiago Silva aussi, je crois que tu le trouves remarquable sur le terrain, mais il n'y a pas que lui. Oui, non, il n'y a pas que lui. Bah, écoute, je pense déjà de Leonardo, c'est quelqu'un quand même qui il faut vraiment enlever le chapeau pour ce mec-là, parce qu'il fait vraiment de grand boulot. C'est vrai qu'eux, ils ont des moyens pour le faire. Et donc, c'est un tout petit peu logique qu'on voit cette équipe-là de cette façon, je pense. Obrigado, Evie. De nada. J'ai appris à parler portugais en regardant Pékin Express, c'est pour ça. Evie, tu gardes juste le micro quelques instants, parce que Thiago Silva, on vient de parler de lui, mais il avait tenu quand même un discours encourageant pour l'OGC Nice à l'issue de la première rencontre que nous avions gagnée. Donc pour parler de Thiago, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de parler, d'en parler avec lui après le match. Et j'ai remarqué que ce mec, il était vraiment très, très humble, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc très humble et avec un niveau de jeu que c'est quand même un star qui est dans le championnat. Et que, voilà, donc c'est une petite chose qui n'a pas beaucoup de joueurs qui a son status, qui arrive quand même à être aussi humble et avoir des choses positives dans l'équipe adverse, que ce soit les supporters ou que ça soit l'équipe. Donc, franchement remarquable, je pense que son boulot et de tous les Brésiliens qui sont à Paris. Puis il a un grand copain à Marseille qui s'appelle Joey Barton en plus, ça c'est autre chose. Poussin, tu veux rajouter un truc? Non, je crois que sur Paris, d'une manière générale. Oui, bien sûr, on parlait de Leonardo, c'est vrai qu'il fait du bon travail, mais bon, avec les moyens qu'il a, je pense que c'est juste un minimum, l'équipe qu'ils ont cette année. Et pour revenir au match du dimanche, c'est sûr que le danger, je pense que comme tu le demandais tout à l'heure, Neymar, je pense que le danger vient de partout, parce que vu la qualité des joueurs, je pense que ça vient à droite, ça vient à gauche, ça va percuter dans l'axe et tout. Donc c'est vrai que ça va être une grosse équipe et un gros match dimanche. Ouais, surtout qu'il y a quand même un secteur qui est inquiétant, c'est le secteur offensif pour nous ce week-end. On en parle tout de suite. Donc Boteac, Bossetti et évidemment toujours Essérik. Qui est suspendu, les autres aussi. Ces joueurs-là seront absents ce week-end. Qui veut prendre la parole en premier là-dessus? Non, c'est sûr que Boateng va manquer pour le match du dimanche, parce qu'offensivement, je pense que depuis le début de saison, c'est vraiment le joueur qui apporte aussi beaucoup offensivement. Après la suspension de Valentin, on a vu aussi que ça a fait défaut depuis quelques matchs. Mais c'est vrai que l'absence de Boateng, ça va être un moins pour le déplacement au parc. Doumé, du coup, je t'ai pas laissé parler sur la thématique d'avant. Là, tu vas pouvoir te régaler, vas-y. Non, mais je partage l'avis de Poussin, c'est vrai que... Non, mais quelle équipe on va pouvoir proposer offensivement avec l'absence de ces joueurs? Déjà, il y a déjà un plus, c'est que Zvitanić est revenu à Toulouse. D'accord? C'est qui marque à Toulouse, c'est qui marque contre Sochaux. Donc ça veut dire que, puisqu'on avait dit avant, après Toulouse, il n'est pas encore à 100% de ses moyens, parce qu'il a été absent 2 mois, donc manque de compétition, donc manque de rythme. Là, on voit que Zvitanić, on pourra compter sur lui, effectivement, au Parc des Princes. Donc ça, c'est déjà un atout. Ensuite, le truc, l'avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas eu de blessés contre Sochaux. Donc ça, c'est déjà le plus également. Mais après, c'est vrai, même si on dit depuis le début de la saison que Claude Puel ne s'appuie pas sur 11 bonhommes, 11 titulaires, c'est vrai que Éric Boateng va manquer forcément à Paris. C'est un gars qui provoque, etc., etc. C'est lui qui amène les coups francs aux entrées de la surface de réparation. Donc je suis tout à fait de l'avis de Poussin. Éric Boateng va manquer.
mais le Nice peut s'en sortir aussi. Hein. Juste un mot de Neymar. Bon, ok, il y a des absents côté offensif, mais il y a quand même des joueurs, notamment Mohamed Traoré là, qui revient, qui oui, porte le numéro 10, c'est un bon joueur. Il est arrivé, il est, je pense, en bonne forme. Mmh. Et il revient encore petit à petit à son niveau comme avant, comme les premiers 6 mois. Donc, en face, bien sûr, on va manquer Boteac et Valentin, ça c'est évidemment, mais bon, après, je pense qu'on a un joueur qui pourrait placer bien cette place, donc voilà, il faut être concentré sur l'aspect défensif, et après, bien sûr, aussi, on va arriver à une occasion pour avoir. Occasion pour marquer. Oui, bien sûr. Et là, qui va être, je ne sais pas encore, parce que c'est coach qui décide. Donc, on a des joueurs qui pourraient placer bien. Même si nous sommes absents de Valentin pendant quelques matchs, mais je pense qu'on a quand même des joueurs qui peuvent jouer, quand même pas comme lui, mais qui peuvent apporter quelque chose à cette équipe. Mais par contre, avec Eric, ça va être beaucoup plus difficile, je pense, défensivement. Parce qu'il n'y a pas qu'Eric, mais il y a aussi Jérémy Pied qui donne un énorme coup de main à tout ce qui est le boulot défensif. Hein. Ils sont très généreux, que ce soit défensivement aussi. Et là, je pense, je crains un tout petit peu ce côté gauche. Pour le moins, voilà, que l'absence d'Eric, je pense que le niveau défensif, ça va être beaucoup plus difficile. D'autant plus que c'est vrai qu'il y a une formidable entente, et Neymar ne va pas me contredire, je pense, entre Kolozetziak et Boteac. Les deux s'entendent très bien sur le côté gauche. Après, pour terminer, sur le plan offensif, j'ai envie de dire aussi que face à Paris, les occasions que Nice aura, il faudra les mettre au fond. Il ne faudra pas gâcher, d'autant plus qu'en face Sirigu, moi je trouve que c'est quand même un très 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 bon gardien. Ouais, il est impressionnant sur sa ligne, hein, ce joueur aussi. On verra bien. Alors du coup, est-ce qu'on a une solution pour pouvoir l'emporter ce week-end et aller gagner à Paris? Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Hein. Mais bon, on garde espoir, c'est tout de suite. Le PSG n'a perdu que 2 fois au Parc. C'était face à Saint-Etienne et face à Rennes. C'est maigre hein, quand même, hein, en termes de pourcentage de réussite pour une équipe comme l'OGC Nice qui se déplace chez eux. Oui, c'est vrai qu'au Parc, c'est toujours difficile de jouer. Mais je pense que déjà, avant tout, il ne faut pas qu'on aille là-bas pour gagner. Je pense que si on ramène un match nul, ça sera un bon résultat. Parce que de gagner là-bas, ça sera vraiment très difficile. Déjà, se concentrer sur ne pas prendre de but, essayer de tenir le match nul le plus longtemps possible. Après, des opportunités, je pense qu'on en aura. Mais déjà, qu'on pense à avoir une bonne assise défensive et après on verra. Neymar, j'ai une question pour toi. D'un point de vue tactique, est-ce que vous pouvez jouer face à Paris de la même manière que vous jouez vos autres matchs ou celui que vous avez joué à Sochaux? Ou est-ce qu'il va falloir complètement révolutionner le système de jeu, faire différemment? En fait, à base, on a notre jeu, notre tactique, mais bien sûr que chaque match, on s'adapte en fait, quand on regarde l'adversaire. Mais aussi, en base, on a notre plan de jeu, on respecte tous les aspects de défensifs et offensifs. Donc, bien sûr que contre Paris, ça va être un peu différent, je ne sais pas comment, mais cette semaine, on verra. Mais c'est sûr qu'il faut changer petit truc, il faut donner un peu plus d'importance, concentration de défensive qu'offensive. Donc bien sûr qu'on va avoir des occasions à marquer des buts, parce que chaque match, n'importe quelle équipe, il a des occasions. Donc, Il est sûr que face à Paris, et aujourd'hui plus que jamais, cette saison plus que jamais, c'est vrai que le regard est d'abord tourné vers la défense, parce que c'est vous qui allez détenir d'une certaine manière les clés du match. Est-ce qu'on a des chances de pouvoir faire quelque chose et de ramener un point? Bien sûr. Bien sûr, on s'est fait toute une montagne lorsque Paris est venu au stade du Rail, Nice a gagné. C'est vrai. Je vais te dire, Ibrahimovic, à part le but qui marque sur coup franc, on ne le voit pas parce qu'il est bien muselé par Renato Sivelli. Là, il y aura le retour d'Ibrahimovic, ça va être différent, mais il faut arrêter de se faire une montagne du Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'ils sont leaders, pour moi, incontestablement, ils sont champions, mais c'est quand même pas un leader incontesté et incontestable, quoi. Avec l'effectif que dispose le PSG, ils auraient dû avoir 10 points d'avance au mois de décembre et au mois de janvier. Après, c'est vrai que les Parisiens, à chaque fois qu'ils jouent, quelle que soit l'équipe, c'est pas facile pour eux, parce que l'équipe à battre aujourd'hui dans le championnat de France, c'est le PSG.
Mais moi, je pense que Nice a toutes ses chances, parce que quand tu dis que le Paris Saint-Germain n'a perdu que deux fois au Parc des Princes, c'est vrai contre Rennes et contre Saint-Étienne, il faut savoir que bien souvent, le PSG a du mal quand même. Et moi, j'ai regardé le match 3-PSG, si 3 l'emporte, il n'y a rien à dire non plus. Mais c'est une équipe qui a deux visages quand même, hein, ça met Paris Saint-Germain. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a énormément de talent, énormément d'individualité dans cette équipe. Voilà. Bon, moi, je vais essayer d'être court, mais moi, je pense justement, comme Doumé, je pense qu'on est tout à fait capable de marquer des points là-bas. Et je pense que c'est plus facile de jouer à Paris qu'y recevoir Paris. Même si on a gagné le match, je suis persuadé que c'est beaucoup plus facile de jouer chez eux que chez nous. Donc la pression n'est pas chez nous ce week-end. La pression est du côté parisien. Oui, bien sûr. Ils ont besoin quand même. D'accord. Je pense qu'ils vont commencer le match à 100% justement pour pouvoir marquer tout. Mm-hmm. Et je pense justement si on arrive à bien garder le ballon surtout, et je pense qu'on a tout à fait la capacité de marquer les buts. Alors un pronostic du coup, s'il te plaît. Un match nul, ouais, mais quoi? Un score 2-2. 2-2, ouais. Moi, je dirais, sans Beckham, victoire de Nice 2-1, avec Il veut faire un thème. Mon pronostic, victoire de Nice 2-1. Sans Beckham? Avec ou sans Beckham? Mais tu me surprendras toujours. Pourquoi tu me surprends? Là, sur ce choix-là, c'est bien. Voilà. Moi, un petit match nul à partir, ce serait un bon résultat. Comme joueur, en fait, on va là-bas faire un bon match. On ne va pas pour avoir un match nul. On est imbécile cette saison. Donc, on va faire. On va là-bas pour prendre des points. Mais après, si à la fin on a fait la match nul, j'espère que ça va être 0-0. Moi je vois quand même un but dans cette rencontre. Je te vois bien exciter le grand Suédois là, de manière à ce qu'il prenne un carton rouge et qu'il sorte assez rapidement. J'espère aussi. Tu nous l'excites bien comme il faut, parce que lui, de temps en temps aussi, il pète une durite et c'est le bon moment. Oui. Moi je vois un 1-0 pour Nice. Voilà. Je vois le bon scénario, bien serrure, bien fort derrière. Ça va être magnifique. Ça serait magnifique, hein, voilà. Ça serait magnifique. Bon, on a terminé avec cette émission. Je te remercie d'être venu. Au nom de toute l'équipe et au nom des supporters. Ça nous a fait très plaisir de te recevoir. C'était très sympa. C'était vraiment un plaisir. Tu reviens quand tu veux. Messieurs, merci beaucoup merci. Pour votre participation. Merci, Margaret. Est-ce que tu auras ta coupe Rasta ou pas? Oui, je vais la faire. Mais ta femme, ta copine n'aime pas? N'aime pas, mais c'est moi qui... Tu sais pas, c'est moi qui décide. Non, mais allons. Juste te dire un truc, fais attention avec cette coupe de cheveux, parce que Doumé, dans les années 90, l'avait, et tu vois comment ça a terminé. Ah oui. Méfie-toi. Ok. Méfie-toi. Okay. Dernière question, même si... Vas-y. Pourquoi cette coupe, justement? Ça arrive juste comme ça pour changer un peu, c'est tout. Donc il a pas raison spéciale. Tu sais, chacun a son style. Non, mais justement, je voulais savoir. Voilà, chacun son style. Et toi, tu es plein de style. Il y a une certaine jalousie parce que moi, je peux pas la faire. Je peux plus. Voilà, merci les amis, merci encore pour ta venue. J'espère que tu as passé un bon moment. On vous dit à la semaine prochaine. Et tous derrière Nice ce week-end. Bye bye, ciao.